Salut tout le monde, c'est Lim Gaming. Aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo. Donc, Best of Quadrage après accident en 2017. C'est parti. Tout va bien? Il me rentre dedans, il me dit qu'il va me frapper et après en plus il essaie de se sauver. J'arrive même pas à trouver le numéro de la gendarmerie. Bonjour. J'appelle, bonjour monsieur. Il me dit, il me rentre dedans et en plus il s'est sauvé. Il y a une dame là qui se prend, qui a fait des... Donnez-moi mon constat. J'ai eu un accrochage avec elle. Elle ne maîtrise pas la situation. Je sais pas trop quoi faire, elle est un petit peu hystérique là. Hystérique. Qu'est-ce qui s'est passé? On était au rond-point là-bas, même pas sur le rond-point. Et en fait je t'explique un peu ce qui s'est passé. J'ai écouté les deux, de toute façon. Et en fait, il y a deux voies au rond-point. Lui, il était sur une voie, j'étais sur une voie. Et quand il a tourné, il m'a rentré dedans, il m'a éclaté mon rétro et tout. Et après, au rond-point, vous rendez compte, je l'ai klaxonné, je lui ai fait des appels de phare en lui disant: mais monsieur, vous m'avez rentré dedans, je l'ai suivi jusqu'ici. Il ne voulait même pas s'arrêter. Et quand je lui dis: ouais, vous n'êtes pas arrêté, et vous me rentrez dedans, il me dit: oui, je vais vous en mettre une. Mais vous vous rendez compte? C'est pas grave, mais merci. Non, mais je vais attendre avec vous. C'est gentil, merci. Je me suis mis en warning. Qui me rentre dedans, qui soit parti sans même s'arrêter, sans même ne serait-ce que faire un signe. Vous auriez pu ne serait-ce que faire un signe. Madame, regardez, ce que je transporte, c'est dangereux. Je ne peux pas me mettre. Vous avez pris un risque inconsidéré, madame. Vous avez vu les gens. Non, mais est-ce que vous avez. Vous auriez pu. Mais est-ce que je peux me sauver avec ma citionne? Réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Mais vous avez vu ce que vous avez fait, madame. Vous avez doublé. Il est arrivé une voiture en face. Il y a un motard qui est arrivé. Il a failli se taper dedans. Vous êtes fou. Il y avait un motard. Vous n'avez pas vu le motard. En plus, vous n'avez pas vu le motard. Vous n'avez pas vu qu'il est parti sur la chaussée. Oui. Madame, allons reculer. Pas grave, vous avez perdu votre contrôle. Vous avez perdu votre contrôle. Vous avez raison. Alors voilà. Mais regardez, madame, juste pour info. Qui a dit à l'autre: je vais vous en mettre une? Je vais regarder. Regardez, madame. J'ai jamais dit. Mais vous êtes de mauvaise foi en plus. Qui a dit à l'autre: je vais vous en mettre une? Qui a dit à l'autre? Arrêtez, je ne suis pas. Regardez ce qui est marqué là. Vous voyez là, le petit triangle qui est là? Ça s'appelle le code de la route. Ça s'appelle véhicule de grande longueur pouvant se déporter à droite ou à gauche pour tourner. Voilà. Si vous faites ce que vous voulez, alors je viens d'appeler la police, parce que là, je pense que ça va se régler comme ça. Mais j'ai déjà eu des tas de soucis, vous savez, madame, avec des gens comme vous qui ne savent pas se contrôler. C'est pas grave. Regardez, vous pleurez, vous êtes hystérique, vous appelez tout le monde comme si c'était un drame. Vous voyez, c'est un rétroviseur, madame. On demande simplement... Qui j'ai appelé, voilà. Monsieur, j'ai appelé qui? Vous avez gueulé comme un veau, je vous ai entendu. Oui, parce que vous partiez, monsieur. Non, je partais pas. Je me barrais un peu mieux. Hein? Parce que vous voyez, je suis en camion. Je suis pas avec une voiture. La seule chose que vous auriez pu faire, c'est quand vous m'avez rentré dedans, ne serait-ce que faire mettre des warnings pour dire: je vous ai vu. Je ne pouvais pas faire ça. Je pouvais me ranger. Je cherchais à me ranger. Je suis avec une matière dangereuse. Je ne peux pas faire ce que je veux. Vous ne pouvez pas mettre de warning pour je dire ne peux pas faire vu. Ce que je veux. J'ai bien vu, madame. Allez, écoutez, calmez-vous un petit peu. Madame, je ne cherche pas. Je sais très bien. Mais ce n'est pas la première fois que je rentre un constat, madame. Simplement, la différence, c'est que quelqu'un rétro, on n'en est pas là. Il n'y a pas de mort d'homme. Justement, monsieur, il n'y a pas mort d'homme. Alors, je fais ton. Pourquoi vous avez fait ça? J'ai pas fait ça. Bah oui, madame. Vous avez appelé la police? Oui, j'ai appelé la police. Non, mais merci, c'est gentil. Non, mais je vais attendre avec vous. J'ai appelé la police, bien sûr, naturellement. Oui, mais attendez, j'ai jamais dit ça. Je ne serais jamais permis de dire ça. Jamais. Jamais je ne serais permis de dire une chose pareille. Ma collègue s'est arrêtée, elle a vu dans quel état vous étiez. Ma collègue est témoin, elle s'est arrêtée et elle vous a vu dans quel état vous étiez. Et dans quel état vous étiez, vous? C'est pas grave. Heureusement qu'elle s'est arrêtée. Mais c'est qu'un constat, madame. On fait un constat, puis c'est fini. Heureusement qu'elle était là. Heureusement que j'avais au moins ce témoin. Oui, Alice, tu peux passer, Patricia, s'il te plaît?
on fait un constat, madame. Mais attendez, la police va arriver de toute façon, ouais, donc vous voulez aller faire directement avec eux. Mais non, mais il y a juste un constat à faire. Oui, mais vu que vous allez appeler, de toute façon, ils vont se déplacer. Ah bah, j'ai appelé, oui. Ils vont se déplacer, donc... Vous voulez pas faire de constat, madame? Vous allez appeler, on va attendre. Moi, j'estime que vous étiez quand même... Non, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas menacé. C'est tout. Non, mais merci, c'est gentil à vous. Oui, oui, pas de soucis. Hey, madame, on va pas s'énerver, il y a juste une... Là, on va arriver sur l'accident et comme vous pouvez le voir, je respecte la limitation de vitesse, je boite à 50-55. Je mets les clignotants, je regarde dans les rétros, je contrôle mon angle mort vite fait. Non, tout se passe bien. Jusqu'au moment où j'arrive au feu, en fait, ouais, je décide de faire un petit interfile, mais très léger, parce que voilà, il y avait deux voitures, donc je décide de faire un interfile. Je regarde le feu, on va faire pause. Je regarde le feu, je vois que le feu est rouge et je me rends compte que la voiture commence à arriver tranquillement en fait. Et la voiture en fin de compte se remet à accélérer alors que le feu est rouge. Oh, putain de merde. Le pied, comme vous pouvez voir là, me bloque le pied entre son aile et la moto. Et je me suis rendu compte qu'après que grâce à ma botte, en fin de compte, c'est ma botte qui a cassé le calpier. Donc heureusement, j'avais mis les bottes et pas mes petites bottines comme je devais mettre. Sinon, j'aurais la cheville pétée ou le tibia pété. Mais j'aurais quelque chose de pété ou fracturé. Donc voilà. Donc, alors, je rentre dans des arguments un petit peu... Bah, j'ai pas démarré. Émotive, on va dire. Putain. Je commence à ouvrir ma gueule un petit peu. Ah, mais péter mon calpier en plus. Je fais comment maintenant? Je roule comment? Là, Bah, au début, j'étais parti dans l'hypothèse de faire un constat. Enfin, dans l'hypothèse, au début, je voulais faire un constat absolument. Et moi, je fais un constat, hein. Ah bah oui, oui, c'est pas ce que je veux, c'est... Bah, j'ai pas démarré, j'ai arrivé. Ah, putain. Comme je disais, je pensais pas que j'avais mis mes bottes, et je commençais à sentir une grosse douleur au niveau du mollet. Garer, descendre, hein. Là, il y a la petite rue, là, à gauche, là. Oh. Là, ce qui est marrant, c'est que j'ai une dame qui me demandait où se trouvait l'hôpital. Ah, faut prendre l'autre avenue. Ouais. Derrière. Même le monsieur n'a pas compris, en fait. Le monsieur, là où c'est bien, c'est qu'il m'a bien vu. Ça, c'est bien. Mais du coup, il m'a trop regardé moi et pas assez regardé le feu. En fait, il s'est focalisé sur moi et pas sur le feu, en fait. Donc là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il m'explique qu'en fin de compte, je faisais des bombes avec la moto, mais si pour passer, il y a... Enfin voilà, j'arrive au feu, donc j'accélère pas. Je rétrograde simplement, et voilà, ça s'arrête là. Mais bon. Bon, ben voilà, on... J'ai reparti, hein. J'ai repoussé la moto à la maison, sans calpier.
ça va être dur, hein, ça y est, c'est deux petites pattes là de cassé. Hein, donc, pas de cale-pied, on verra comment on va rentrer. Puis là, je vais dire que je suis content, mais bon. Limite, c'est entièrement sa faute, donc ça va. En plus, il a les griffons, donc il m'a regardé, il a accéléré. Il a vu que j'arrivais, il a accéléré en fin de compte, et bah, il m'est rentré dedans, parce qu'on avait bien vu. Hein. Donc, oui. Oh putain, c'est bien. Alors du coup, je sais même pas comment je vais faire. Je sais même pas comment je vais faire pour rentrer. Pas de cale-pied.